Nous repartons sur Metroid, les amis, instantanément. Là où nous étions laissés. Sinon, tu regardes un film, non? Ah, pourquoi pas un film d'horreur, sinon? Ah ouais, soirée Halloween, on regarde un film d'horreur avec Prime. Donc du coup, j'avais récupéré des trucs avec ma morve-ball, et là, je peux aller là. Oh putain. On va morve-baller. Faut que ça saute au pète. Je peux sauter avec B, on s'en souvient maintenant. Ah! Mais! Ah, ok. Comment je fais? Ah oui, ok. Vas-y, reviens, con. Oh, mais non! Ok. Ouais, bien. J'ai envoyé une photo, Crystal White, ok. Bonsoir, Cabine du 54, comment vas-tu? Bonsoir! J'irai voir après, Crystal White. C'est une bonne idée d'aller checker un film Iron Cookies. Je trouve ça bien. Ah! Ok. Toujours au taf, Oupsi. Ben bon courage à toi, Oupsi. Bienvenue à toi sur ce live incroyable. Du coup, ben je peux morve-boler là. J'y vais, vas-y. Ça sent le boss, là. Ça me recharge quoi, ça? Que les missiles, ok. Vous en connaissez des films d'horreur qui sont sur Prime ou pas? Oh là, je peux pas y aller, là. Non, je peux toujours pas y aller. Ah ben, munitions au max. Ah, 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 ça se sentait quand même. Je peux y aller, là, ou pas? Oh oui, je peux y aller. Ça sert à rien. Ah si, ça sert! Dans le chat, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît plateforme? Moi, je connais pas du tout. Cool! Bon alors, franchement, c'était que de la chatte. Voyons voir. Je peux y aller, là aussi. Là, il y a quoi? Ah, cool, une save. Oh, super. Moi, je connais aucun film d'horreur sur Prime, pour le coup. Mais c'est vrai que ça serait une bonne idée de se mater un film d'horreur. Par contre, c'est accessible qu'à ceux qui ont Prime, malheureusement. Hein. Ceux qui n'ont pas Prime, eux, ils peuvent pas venir, malheureusement. Bon, allez, on va monter. Je vais aller là. Là. Oh putain, la recharge de missiles! 10 missiles! Putain! J'ai 39 missiles. Wow, ça sent le boss, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh! C'est quoi? C'est un téléporteur? C'est un téléportail, pardon. Oh, trop bien. Utilisez le téléportail pour se rendre ailleurs. J'accepte. Ah, je reviens sur la première planète énorme. Voilà toi, Oupsi. Non, je préfère les films qui font flipper Iron Cookies. Genre, tu vois, Conjuring, Annabelle... Insidious, ce genre de film. Il y a tous les sauts sur Prime. Après, ouais, s'il y a sauts, on pourrait se regarder Saut 1 ou Saut 4. Faut absolument Prime, j'ai pas Prime. Je crois que t'as un mois gratuit en plus sur Prime. Il y a Amnesia comme jeu aussi. Ah, ça, je connais pas du tout. Mais pas du tout. Artaria, d'accord. Donc là, je suis revenu sur la première planète en fait. Regardez ça. Ok. Saut, il est flippant. Oh oui. Surtout dans les premiers. Moi, je préférais les premiers au dernier saut. Il y en a un où il y a une fille qui tombe dans un bac avec des seringues. C'est quoi? C'est lequel de saut? Ouais, mais on comprend. Oups, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Allez. Donc là, je suis revenu sur la première planète. Je suis refait. Du coup, je vais où? Là, fais voir si je vais là. Possible. Ça sert à rien, mais c'est possible. Où est-ce que je peux aller? Voyons voir. Est-ce qu'il y a de la morve-ball quelque part? Ah là, il y a de la morve-ball. Oh, il y a une réserve d'énergie. Je vais y aller. Je vais aller récupérer ça. Ah, t'as trouvé? Yes! Oh putain! Des missiles! Deux missiles en plus, super. Dac à toutes, Oupsi, des bisous. Bon courage sur la route. Bien joué, Crystal White, bien joué! A tout à l'heure, Cookies, bon app! Hop là, on sautille.
Est-ce que là, je pourrais y aller? Non. De toute façon, on a dit Morphball juste ici. Je vais peut-être sauvegarder, on sait jamais. Salut Hydro and Bros, comment tu vas? Bienvenue. Comment vas-tu Hydro? Quoi de neuf? Sous le soleil de l'automne, avec le changement d'heure qui arrive, les jours qui raccourcissent, Noël qui pointe le bout de son nez, et la fraîcheur, ah oui, la fraîcheur. Avec plaisir, Crystal White, avec plaisir. Je pense qu'un jeu, c'est quand même mieux pour Halloween, plus interactif, et qu'on peut lancer des défis, mais c'est ça. Puis un jeu qui flippe, ça sera d'autant plus drôle pour vous. Donc là, c'était un module d'énergie. Il m'en faut encore deux et je gagne une barre d'énergie. Au top. Donc ça, c'est des zones où je pouvais pas aller avant. Hein. Je continue. Hein. Écoutez, je vais monter. Hein. Merde! Pharyngite. Mais personne va bien sur ce live. J'ai l'impression quand je demande aux gens si ça va. Ça va pas. Ah, je suis désolé, Hydro. Ah ben ouais, au moins t'es à la maison le soir, et eh ben écoute, il faut voir le bon côté, le verre à moitié plein. Bon, si ça va, tant mieux. On te souhaite un bon rétablissement. Ok, on continue. A tout Iron Cookies. Ah, aïe, 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 il va revenir. Ok, j'ai dessoudé, je continue. L4, est-ce que t'es toujours content de voir ce jeu? C'est une vraie question. Est-ce que là, il y a un passage? Ah, d'accord, j'étais juste en bas. Très bien. Putain, je sais tellement pas où aller. Ok. Ah, c'est des missiles pour eux, c'est des missiles! Ouh, aïe, aïe! Oh, putain, il m'a dessoudé. Ok. On va faire caca-culotte le 31 octobre. On va préparer vos histoires effrayantes à raconter autour du feu. Avec cette voix. Pardon. Ah oui, fallait appuyer sur le bouton. J'avais oublié qu'il fallait laisser appuyer sur le bouton. Je pense qu'il y a moyen de se marrer, ouais, le 31. Bon, ça, je peux pas l'ouvrir. La couleur verte, comme ça, c'est censé être les super missiles. Aïe! Et ça, je peux l'ouvrir ou pas? Ouais, je peux l'ouvrir. Ok, cool. Ça en bas. Je peux pas la voir, ok. Très bien. Là, est-ce que je peux y aller là? Non. Avec les vampires Resident Evil Village, ça pourrait être pas mal aussi. Après, je suis pas sûr que un Resident Evil récent. Enfin, tu vois, je préférerais faire RE3 finalement. Parce que j'avais fait RE2 l'an dernier. Ok, oui, Ribo, j'aborde ce jeu Metroid que tu fais, c'est excellent, j'aime beaucoup. Bon, tant mieux. Je suis content. Puis regarde un trailer d'Amnesia, tu verras par toi-même le jeu durant 7-8 ans. Je regarderai, ouais, Night Shoot. 500 missiles et rien se casser. Putain, Crystal White. Il faut vraiment beaucoup de missiles. Ok. Donc on a remis le show. Je peux peut-être aller là. Voilà, pas du tout. Non, je peux pas. Voilà, voilà, putain, mais ça devient chaud, chaud, chaud. C'est chaud ce soir. On est chaud ce soir. Grosse pression, je vais où? Je peux pas aller là-haut. Je vais là. Ok. Je descends. Mais what? Mais non! Mais je vais mourir, je vais décéder. Ah, faut péter ça. Est-ce que c'est fait exprès? Oh là 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 là! Je roule. Oh là 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 là. Je glisse. Oh non, je me suis fait avoir. Au secours. Aïe, 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 je me suis refait avoir. Oh là là. Que merde, que merde. Au secours. Oh non. Un ennemi. Putain, j'ai failli mourir. Oh. Putain, ils préviennent pas. Ça, c'est une porte-missile. Ok, c'est plus safe là. Ça sent le boss quand même. Bah, franchement, Euro 3, ça pourrait être cool. Hein. Aïe. Pas évident là. Tout était chiant. Et vous avez vu, je me suis tellement cogné contre des obstacles qu'à mon avis, ils ont dû étudier les parcours de plein de gens pour voir où ils allaient se diriger en fonction des obstacles. J'ai tout pris, franchement.
Ils ont géré. De toute façon, c'est des gérateurs. C'est la gérance chez Metroid. Là, je peux pas y aller, du coup, c'est trop chaud. On le sait, donc je vais me morph-voler là. Je me morph-ball. Oh ! Une nouvelle amélioration ! Déjà ! Mais qu'est-ce que c'est ? Que cela peut-il être ? Oh ! Je sens en moi le pouvoir ! Alors, 3, pas le meilleur, par contre. Ok. Bon, on va trouver. On va trouver. Ma combinaison a changé de couleur. Elle est belle. Hein. La combinaison Varia a été obtenue. À quoi que ça sert, la combinaison Varia ? J'appuie sur A. Combinaison Varia. Réduit les dégâts infligés par les attaques ennemies et protège Samus de la chaleur, chaleur, chaleur ! En revanche, ne protège pas du froid, froid, froid ! Ok ! Oh, trop bien, je peux aller dans les zones chaudes. Putain, mais j'ai débloqué tellement de choses. Là, en une heure, j'ai débloqué ça, le triple tir, la morph ball et la combinaison anti-chaleur. Oh, ça va être compliqué, là, pour la suite, je pense, de trouver son chemin. Donc là, du coup, je peux y aller, ça veut dire. Oh ouais. Mais j'ai pas de dégâts, je prends pas de dégâts. C'est trop stylé. Yes! Ok, ça va. Ah, j'ai surtout... Ah oui, je peux pas aller dans la lave, ça te disait par contre. Silent Hill, mais PlayStation Now ou PC... Alors, je l'ai le PlayStation Now, pardon. PlayStation Now. Ah non, je peux pas y aller. Pas y aller, mais remonte. J'ai perdu toutes mes vies, je suis un caca. Ok, super. Donc là, je suis dans les zones chaudes. Elle est chaude, la zone. Ah, c'est là où j'étais tout à l'heure. Énorme. Bon, là, je m'en fous, du coup, j'y retourne pas. Est-ce qu'il y a des choses à analyser, à récupérer ? Peut-être par là. Quand même passer... Non, ici, on s'en fout. Donc, je vais passer par là. Est-ce qu'il y a des trucs, là ? Possible. Possible. Il y avait une porte, ici ? Non, il n'y a pas de porte. Ouais, faut que je redescende, en fait. Et là, il y a un truc. Un appareil interactif. Ah, mais je peux aller là ! Mais oui. Je peux aller à la porte qui était à côté de l'appareil interactif. J'aime les appareils interactifs tels que cet appareil interactif ici. Et je le montre en étant vraiment super stylax. Et chillax. Je suis chill. Bon, j'ai pas les bombes. Avec la morph ball, je sais qu'on peut avoir des bombes. Ce qui est cool, c'est que je prends moins de dégâts par les ennemis. Ah, de la lave ! De la lavasse ! Pas lavasse ! Oula! Non! Salaud! Mais allez vous faire voir! Ok, j'ai récupéré quelques vies. Ah, j'ai de l'eau, L4, mais j'ai pas de cacahuètes. J'ai des petits trucs que m'a filé pomme d'api. Les petits salés, bacon, bière. Ok. Non, franchement, c'est trop bon, pomme d'api. Je te jure, c'est trop bon. T'en as jamais mangé ? Eh ben écoute, c'est super bon. Ah, trop bien, d'accord. On redescend là. Ouais, franchement, je te conseille. Ok. Eh ben écoutez, on revient sur cette zone. Alors là, la question. Toute la question de ça, c'est... Ah ben voilà, j'allais dire, est-ce que je peux revenir en bas ? Eh ben non. Donc je suis obligé de retourner sur l'autre, là. Kataris. Ah, franchement, super bon, les petits salés. Rayman 3 pour Halloween, pourquoi pas ? Ah ben écoutez, je me re-téléporte sur Kataris. C'est parti. Pomme d'api, t'es sur la Wii, là ? Sur Prime 3. Fais-nous goûter. Eh ben écoute. Tiens, L4, vas-y. Serre-toi. Serre-toi. Pomme d'api. C'était mode fantastique. Kataris.
Ok. Donc en fait, je reviens là. Mais franchement, ça serait tellement bien qu'ils le sortent. Franchement, je vois pas pourquoi ils le feraient pas. Ils l'ont déjà fait pour la Wii U. Je pense que c'est possible qu'ils le fassent. Alors, je peux aller là. Donc ça, c'est un truc que j'ai déjà récupéré, non? C'était pas les missiles? Si, c'était les missiles. Attendez, faut redescendre ici. Ah, il y a une salle chaude ici. Ah non, non, mais Disco Tonight, d'ailleurs, gardez-les vos Wii. Gardez-les, les Wii. Ça coûtera cher un jour ou l'autre. T'as rencontré un mur, merde. Metroid Prime, franchement, c'était le feu. C'était vraiment trop cool. Là, il y a une zone chaude aussi. Bah écoutez, je vais aller là. Je vais aller ici d'abord. Et merde! Et merde! Je sauvegarde, quand même. Ne revendez surtout pas vos Wii. On en a parlé justement pendant le live de vendredi, mais ne les revendez pas. Ben franchement, Crystal White, t'as qu'à dire à ta sœur, ouais, tu sais, j'aimerais bien rejouer un petit peu à la Wii et tout, est-ce que je pourrais te la récupérer? Et tu la mets sous clé! Tu la mets dans un coffre-fort! Et tu la récupères pour toujours! Merci à tous. Allez donc, on va descendre. Oh mais je peux pas passer! Ah si, je sais. Vas-y, glisse! Glisse, Samus! Je recharge les missiles. Ah bah L4 garde, garde aussi. Oh putain, il y a un boss. Vous avez entendu? Il y a un boss. Il y a un boss, il y a un boss, il y a un boss. J'étais parti commander des tacos, des galettes pour la famille, devant Koh-Lanta ce soir. Oh putain, tu vas te régaler, Wana, il shoot trop bien. Il y a un boss là. Vous avez vu que j'étais. Je suis pas bien là. Je suis pas bien. Lave! Oh, j'aurais pu faire ça. Oh ouais, je suis un caca. Oh, lave! Je glisse. Hop! Ok. Il y a des gens agréables, j'ai l'impression. Oula, oui, il a l'air de faire du bien. C'est la thalassothérapie avec lui. Hop. C'est parti. Ah! Meurs! Ouais. Des missiles, j'ai les vies au max. Mais bon, j'ai que 2 barres de vie, c'est la chiasse. Salut! God Lasagna! C'est la chiasse! Let's go. Putain, y'a un monstre. Y'a un boss. Je suis dans la merde. La zone est belle. Oh ouais, vraiment, la zone est belle, que cette zone est belle, que la montagne est belle. Mais casse-toi! Arrête de m'oppresser comme ça, comme tu le fais. Voilà. Ouais, j'ai un temps de réaction de poulet. De poulet, mais de poulet qui... Y a pas de... Voilà. Y a pas de cervelle. Comment ça va, God Lasagna? Qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Oh! Un ennemi. Allez, je pense qu'on va débloquer l'anti-lave après. C'est possible. Putain, il y a vraiment un monstre là. Oh! Ok, lui, il a pas une grosse portée, ça va. Je peux passer là. Oui, je vais dans le fin fond du garde-robe. Faudrait que je la récupère, mais pas assez de place dans mon appart. J'ai trop de trucs. Eh ben, écoute, un jour... Tu vas voir ta mère et tu lui dis « Ouais, tu sais, j'aimerais bien récupérer ma Wii. » Et tu la gardes! Tu la gardes! Et tu la ressors jamais. Tu la mets sous clé. Oh! Vilain! Il m'a saucé. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que ça, ça va être une salle de boss, là? C'est énorme, c'est trop gros pour pas être une salle de boss. Ou sinon, c'est ça, la salle de boss. Ne spéculons pas, ne spéculons pas. J'ai la crotte au cul. Ah non, ça va. Ça va, ça va. Mais j'ai toujours la crotte au cul. Oh, un passage secret. Oui. On a quand même vachement changé d'ambiance, je trouve. Oh, salle de boss. Il y a toujours ça, avant les boss. Écoutez, on va essayer de le contrer avec X. Bruit de Paperwork Fly. X, c'est parti. Yes. Wow. C'est parti, boss.
Boss ou pas boss, normalement c'est censé être une salle de boss. Je m'étire avant le boss. Merci Crystal White pour les étirements et le bruit de Paperwarfly. Ah mince, si je pouvais péter ça. Oh trop bien, j'ai un passage secret. Ah voilà, ouais, tu peux pas refaire. On va faire autre. Cinématique. Non! Bah si, voilà, cinématique, elle est là, elle est là. Ouais, il est vraiment beau le jeu. C'est une réussite hein, pour la Switch. Ça doit être trop beau sur l'écran OLED de la Switch OLED, là, justement. Nous au droit pour Crystal White. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce boss? Oh là là! On dirait le... l'alligator dans Donkey Kong. Oh, ce qu'elle lui a mis! Ce qu'elle lui a mis! Oh là là, il a trois yeux. Je pense que c'est son point faible. Tout au droit pour le boss. Qu'est-ce que je fais? Grand carré! Non! Meurs! Mais merde! Mais merde! Mais merde! Ok, je récupère de l'énergie en tuant tous les trucs qui me balancent dessus. Ok, il me balance des griffes. Ok, casse-toi! Mais casse-toi! Mais barre-toi! Est-ce que si je tire les missiles, ça fait quelque chose? Oui, il faut les tirer dans le gosier. Bon, c'est quand même vachement pratique d'avoir trois canons, hein. Mais merde, je me prends. Il faut que je glisse comme ça. Voilà. Je l'aurai du premier coup si je glisse comme ça. Missile! Oh oui, missile! Mais non, mais missile! Hop, je glisse, je glisse. Je suis un dingue. Yep! Mange tes morts, toi, mange tes gros morts! Voilà ta bouffe! Oh, je suis un morvol! Chier! Ouais, il est énorme! Abrir la boca, quien quiere un poquito más de agua! Aïe, 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 aïe! Es Río Coco de la Mancha! Non, je m'en vole! Il y a du skill. Des merdes! J'ai réussi à mettre l'énergie au max. C'est parti. On fout les bombes. Je l'ai battu. Oh non, il va se détacher, non, ce connard. Il va aller me faire déguiller avec ses griffes. À mon avis, il a bouffé, oui. Oui, exactement, Akinawa. Vous avez exactement ça, en mode rock light, mais... Oh, bah, le bide. Alerte au bide, dégueu. On va lui faire déguiller dans le nombril, c'est parti. Hop là. Ah, il tire avec son nombril, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ça, par contre. Vas-y, je balance. Bon, faut que je balance de la dot du missile, là. Oh non, mais il me gerbe dessus avec son nombril. Mais ça fait mal. Ah, il a mis la main. Oula. Oh, je peux monter, là. Oh là 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 là. Compliqué, là. J'ai plus de missile. C'est la merde. Je tire sur ces boules. Pour essayer de récupérer quelques vies quand même. Wouah! C'est archi chaud. C'est archi chaud. Ok, il a mal au vide. Je me couche. Je monte. J'ai quelques missiles, ouais. Faut viser les griffes. Je suis tombé, fais chier. J'ai plus trop de vie. Je me couche. Ah, c'est vraiment chaud. Faut tirer sur ces boules qui sont crachées par son nombril, c'est dégueu. Il faut sauter. Ok. Il faut sauter. Ok. Je me couche.
petit artichaut. Ah, la boulasse! Je me couche, putain, j'ai plus que 13 de vie. Je crois que je meurs. Salaud! C'est dégueulasse, mais stylé, on dirait un boss Dark Souls. Implosion, putain, je suis deg. Pourtant, je m'étais bien démerdé. Je m'étais sacrément bien démerdé. J'avais l'impression, quoi. J'y retourne. On va passer à la cinématique. J'ai mes stocks de Smarties à New! Pom pom! Je repasse à la cinématique. C'est le DD, c'est le DC! Allez, ça c'est facile. Le but, c'est d'avoir les vies au max, en fait, quand tu vas dans la phase 2. Ah, bon, j'en ai pris un. On va essayer d'avoir des vies pour la prochaine. On esquive. Allez, bouffe! Jean-Michel, vas-y, bouffe! Bouffe là, bouffe ce missile! J'ai ce missile! Finis-moi ce missile! Putain, c'est chaud. C'est bon. Alors, il n'y a pas de vie sur le boss. Enfin, tu pourras pas l'avoir, quoi. C'est le boss arbre dans Dark Souls. C'est vrai qu'on dirait. On dirait Godzilla. T'en fais pas, pom-pom, hein, pour le copier-coller. Bon, allez. Phase compliquée, du coup. La phase nombril. Purulent de pu. Et balançant des crottes de pu. Purulent de nombril. C'est dégueu. Vous l'avez là. Allez, vas-y, montre-moi tout ce que t'as dans le bidou. Bon, ces boules me font récupérer de la vie. Ça va. Ma question, c'est est-ce que je garde mes missiles? La plateforme. Oula! Miam! Ah oh ouais, le pu, j'adore. Superbe. Allez, go! Vas-y, je balance des missiles, rien à foutre. Ok, faut sauter là. J'ai 28 missiles. Oh merde! Oh, ça va! Je tire comme un âne. Ok. Couché. Allez, Rimo, let's go! Je vais y arriver, je vais y arriver! J'arrive à lire le chat en même temps en plus. Ok, plateforme. Merde! Missile! Beaucoup! Oh non, je suis tombé, fais chier, je suis tombé. Faut tirer comme un âne. C'est trop fort, Ribou. On va voir, on va voir, on va voir. Ça y est, il a mal au vide. Il va me tirer ses excréments de nombril. Ok, je monte. Missile, chargé. Allez, on peut tenir. missiles, 25 missiles, c'est 5 par 5, ok, on va essayer de péter ça, ok, ça fait des vies, j'ai 55 de vie. Oh là là, j'ai perdu une jauge de vie entière. Non, je l'ai pas fini le remake de Demon's Souls, par contre j'aimerais bien le faire, c'est vrai que c'est quand même des jeux incroyables. Mais je suis pas assez compétent, je crois, pour le faire. Putain, il va me regerber dessus avec son nombril dégueu. Hop. Allez, j'espère qu'il n'y a pas 3 phases. Au niveau du son, ça va, c'est pas trop fort le jeu. Faut me le dire, hein. Absolument. Dites-le moi, absolument. Oh non!
Allez, plateforme, c'est parti. Et là, on lui tire dans le gosier, 28 missiles. Bon, j'ai tout tenté. Mais combien il en faut des missiles, bordel ? J'ai mal au pouce tellement j'appuie sur X. Ah ! Et mince. Non, je l'ai pas du tout fini du coup à Okinawa, mais c'est vrai que... Oh yes ! Est-ce que je l'ai eu ? Wow. Bon. Cool. Moi, j'aimerais tellement avoir le triple de vie. Oh, putain, c'était chaud. La phase 1, encore ça va parce qu'il est statique et t'as juste à éviter les trucs en haut. Et la phase 2, tu sautes, tu tires, tu sautes, tu tires, tu te couches, tu sautes, tu tires. Oh, archi chaud. Oh, vraiment super chaud. Merci One Night Shoot. Merci L4. Merci à tous. Merci beaucoup. Franchement, c'était vraiment compliqué là. Je le dis, mais c'était vraiment chaud. J'ai tout donné en moi pour vous offrir le meilleur du gameplay. Allez, je continue du coup. J'espère que ça va me permettre d'aller dans la lave. Au Seigneur Rainbow, il y a un scénar ou bien t'es juste un robot qui défonce tout. Bah, le scénar, c'est que en fait, tous les robots qui sont justement sur la planète, il y en a 6, il faut que je les dégomme. Et il faut que j'arrive à m'évader de la Terre, enfin de la planète sur laquelle je me trouve. Quelqu'un saurait m'expliquer le principe des barres en haut à gauche. Je ne suis même pas celle que représente la vie. C'est les barres roses. Oui, les barres roses, ce sont en fait des jauges de 100 points de vie. Une fois qu'il y en a une qui est finie, ça passe à la suivante. Et du coup, en gros, bah, plus t'as de jauges de vie, mieux c'est pour toi. Et que dire, attends, est-ce que ça je peux le péter? Pas du tout. Et la jauge jaune, c'est la jauge de transparence, tu vois. Si j'appuie sur mon joystick, hop, je suis transparent. Elle diminue. Et une fois qu'elle arrive à zéro, en fait, ça attaque mes points de vie, pour être transparent. Ça se fait pas de partir pendant un boss. Des bisous, One Night Shoot. Bon Koh-Lanta en famille. Des bisous. Merci d'être venu. Ciao, ciao. Bon, du coup, normalement, je devrais pouvoir aller en bas, là. Je vais aller récupérer l'amélioration. On va voir. Des bisous, One Night Shoot. Merci beaucoup d'être venu. Je sais pas ce que j'ai débloqué là. Voyons voir. Le rayon à dispersion. Avec plaisir, pom-pom. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le jeu. Des bisous, Disco Tonight. Bon repos à toi. Qu'est-ce que le rayon à dispersion ? Oh putain ! Permet au tir de rayon de charge d'exploser à l'impact. Maintenez Y enfoncé pour charger, puis relâcher pour tirer. L'explosion traverse les parois. Donc ça veut dire que sur la planète Atari, ou je sais plus quoi, là, la première planète, je vais pouvoir passer en fait la téléportation à cet endroit. Là. Ici c'était bloqué, donc là je vais pouvoir péter le ça et ça. Ok. Cool. Je suis invincible! Par contre, ça va être dur de déceler les endroits que je vais pouvoir péter, je pense. Des bisous Disco Tonight. Ciao, ciao. Ah non, mais le jeu est grave cool. C'est des jeux incroyables. Et ça, je peux le péter ou pas? Qu'est-ce que c'est que ce truc en bas? J'ai un feu. Je le veux, ce truc. C'est en train de me teaser les prochaines améliorations, en fait. Allez. Donc ça, je peux tirer à travers le mur. Ok. Par contre, on peut pas le faire de partout, non? Ah si, ok. Je viens d'avoir les 10 000 ribs. Bien joué, Pom Pom. Il y en a qui ont dû en avoir un paquet pendant le live de 12 heures, là. L4, il doit avoir beaucoup de ribs, d'ailleurs. Ah, t'as réussi à avoir le rayon large. Bien joué, Crystal White. Il y a quelque chose là-haut. Ah, ça veut dire que je peux les avoir, enfin, à travers le mur. Ouais, putain, ouf. Ça, par contre, je sais pas trop comment l'avoir, celui-là. Voyons voir, ça vient d'où, ça? De là, ok. Bon, écoutez,
Je sais pas trop, hein. Ouais, j'ai vu les jeux, je les ai téléchargés les trois. Il y a un jeu de guerre, il y a un jeu de golf, et il y a un jeu, l'autre, je sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, c'est un téléporteur pour retourner sur Deron. Alors, je vais pas y aller de suite, je vais finir cette zone d'abord. Je vais finir cette zone d'abord. Cette zone de lave, là. Ça, c'est vraiment chouette de pouvoir les éclater à travers. Alors, juste, voyons voir la map. Ici, qu'est-ce que c'est? Ok, c'est une porte plasma, je pense. Je peux pas l'ouvrir. Ah, Mortal Kombat X, c'est vrai. On voulait en faire avec SMP Level du Mortal Kombat X. Ça peut être pas mal. Alors attendez, parce que là, je suis pas très bon avec le gameplay, là. Je sais pas trop comment faire pour monter 32 000 ribs, putain, bien joué. Alors, hop. Non, mais je me fais saucer, je me fais saucer. Je vais le défoncer, lui, là. Voilà. C'est pas évident, là, de monter. Croyez-le ou non. Oh. Quoi? Oui. Et on monte. Non. Oui. Oui, yes. J'en ai marre, j'avance pas, je meurs bêtement. Peut-être, franchement, recommence-le, peut-être, pomme d'api. Fatality. J'adore Mortal Kombat, c'est vraiment trop, trop cool comme jeu. Est-ce que je peux pas péter le truc? Alors, en fait, pomme d'api, elle est sur celui qui est sorti sur Wii, celui qui est en 3D. Bon, là, du coup, on est d'accord, je peux pas aller ailleurs. On est d'accord, hein. Là, ici, je peux pas y aller, je peux pas ouvrir la porte. Ça, c'est bloqué par la lave. Si je redescends là... Là, c'est mort, parce que je peux pas retourner dans l'autre sens. Je crois, non, je peux pas. Donc, ouais, je suis obligé de retourner sur Dayton. Sur Deron. Et là, je peux pas y aller. Non, je peux pas. Écoutez, on va prendre le téléporteur. Ouais, franchement, pomme d'api, je te recommande de le recommencer aussi, parce que tu vas en chier, là, de tout refaire. Hein, d'arriver téléporter sur une map, pas savoir où t'es. Bon amusement. Finalement, Crystal White, tu le fais en même temps que moi. Presque. C'est cool. Ça vous donne pas envie d'acheter une Switch, là? Attendez, j'ai oublié une mort. Je suis mort avec le boss. Ça fait 30, je crois. Je crois que je l'ai pas compté. Deron, parfait. Bah écoutez, pour YouTube, pouce bleu, abonnement, si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, pouce bleu, abonnement. Et n'hésitez pas à parler à 6 personnes de moi. Et à leur dire de venir sur Twitch. Des bisous YouTube. Ciao, ciao.